Rangers Celtic de plus grande de l'Europe. Mais non, mesdames et messieurs, notre ami François du Guinness Irish Festival de Sion. Il est là. Qui est François? Bon, alors, Yves, s'il vous plaît, maestro, venez avec moi. Vous le connaissez bien, c'est le grand druide de la salle. Après 3 ans, c'est une salle incroyable, une salle incroyable, mais le plus extraordinaire, c'est le public. Carlos, son équipe, c'est vrai que le public est formidable, mais c'est aussi voilà, cette synergie avec le groupe de Gaeta, avec Jérôme qu'on a eu tout à l'heure, Jérôme Courbat, avec les élèves, avec le chœur. Puis ça, c'est le Jura aussi, c'est-à-dire, c'est des gens qui se mettent ensemble, on n'est pas toujours d'accord, mais quand on fait la fête, on fait la fête. Ça très, très souvent avec notre ami de Sion, le festival intercelte de Sion, que les Écossais, les Irlandais, les Gallois, tout le monde celte, je pense qu'il faut qu'ils connectent aussi avec la Suisse celtique. N'est-ce pas? On veut aussi la Suisse dans le festival intercelte de Lorient. Oui. Yves, est-ce qu'éventuellement on pourrait revenir ici dans 10 ans peut-être? Cher Carlos, j'en prends engagement très volontiers dans 10 ans, 1 3 pour la fin. Voilà, dans le job, il y a sûrement qui le savent, c'est que c'est la 3e fois que tu viens à Léman, et c'est vrai que les 2 premières fois, ça date un peu, c'était il y a 14 et 15 ans, à peu près, donc il était temps que tu reviennes.